Désolé pour cette coupure, c'est la connexion, désolé, on va reprendre. Désolé mes enfants pour cette coupure, on va reprendre quand même. C'est la connexion, c'est les conditions du direct. Alors, donc on va reprendre, désolé pour cette panne. Donc, je viens de dire que hier nous avons vu la phrase minimale et la phrase enrichie. Nous avons vu aussi comment enrichir une phrase minimale en employant les adjectifs qualificatifs et en employant les compléments. Employer les adjectifs qualificatifs pour enrichir les noms qui se trouvent dans la phrase et employer des compléments pour ajouter des informations supplémentaires sur la phrase. Donc, il y a deux méthodes d'enrichir la phrase, soit ajouter des adjectifs, soit ajouter des compléments. En ajoutant des adjectifs, ce n'est pas n'importe comment on peut ajouter des adjectifs. Donc, il y a des règles selon lesquelles on ajoute des adjectifs sur, pour donner des informations supplémentaires sur le nom qu'il qualifie. Donc, on va ajouter, on va voir des phrases, on va apprendre comment employer ces adjectifs-là. Donc, pour gagner du temps, j'ai préparé des phrases. Donc, on va lire les phrases ensemble. Donc, je m'excuse une deuxième fois pour cette panne. Donc, la première phrase, on va lire les phrases ensemble. L'oiseau est recouvert de pétrole. La deuxième phrase, la montagne est blanche de neige. La troisième phrase, ce sont des flaques d'eau boueuses. La quatrième phrase, ces bons résultats sont le fruit d'un travail régulier. La cinquième phrase, il manifeste un vif plaisir. La dernière phrase, toutes les filles sont géniales. Tous les enfants aussi sont géniaux. Vous, les filles qui me suivez maintenant, vous êtes géniales. Donc, toutes les filles sont géniales. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour souligner les adjectifs qualificatifs qui se trouvent dans toutes les phrases. Donc, vous allez souligner les adjectifs qui se trouvent dans toutes les phrases. Je vais vous donner deux minutes, puis on va continuer. Donc, je rappelle que c'est une leçon qui vise la quatrième année. La quatrième année. Donc, c'est le module 7. Hier, nous avons vu une leçon du module 6. Aujourd'hui, on va voir cette leçon du module 7. Je rappelle que notre leçon, c'est comment accorder en genre et en nombre l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Bon, j'attends vos réponses. Donc, vous allez m'écrire les adjectifs qui se trouvent dans toutes ces phrases. Une minute, puis on va commencer par la première phrase. Ah.
Allez les enfants, est-ce que vous avez terminé? On peut corriger? Non. Classe, non. Blanche, oui, c'est bien. Blanche, oui. Oui. Blanche. Oui. Les autres. Les autres, allez. Où êtes-vous? Donc, c'est la quatrième année ici. C'est une leçon pour la quatrième année. Recouvert de pétrole. Recouvert de pétrole est un adjectif. Non, c'est faux. Blanche de neige. Donc, seulement les adjectifs, s'il vous plaît. Donc, je viens de dire hier que les adjectifs qualificatifs, ce sont des mots qui donnent des informations supplémentaires sur le nom. Donc, avant de chercher les adjectifs, il faut trouver les noms pour trouver après les adjectifs qui les confient. D'accord? Alors, on va commencer par la première phrase. L'oiseau. Où est le nom dans cette phrase? L'oiseau. Il est comment l'oiseau? Il est recouvert de pétrole. Donc, l'adjectif dans la première phrase, c'est recouvert. D'accord? Est-ce que c'est clair? La deuxième phrase, la montagne est blanche de neige. Elle est comment la montagne? Elle est comment? Elle est blanche. Donc, blanche, c'est un adjectif qui qualifie la montagne. Ce sont des flaques d'eau boueuse. Des flaques d'eau. Donc, où est l'adjectif dans cette phrase? Quel est le mot qui qualifie flaque? C'est boueuse. Boueuse, c'est un adjectif qui donne des informations sur le mot flaque. Tes bons résultats sont le fruit d'un travail régulier. Donc, comment sont les résultats? Résultats, c'est un nom masculin pluriel. Donc, l'adjectif, c'est bon. Sont le fruit d'un travail. Il est comment ce travail? Il est régulier. Donc, le travail est régulier. Donc, régulier, c'est un adjectif qui qualifie le travail. Il manifeste un vif plaisir. Il est comment le plaisir? Donc, le nom commun ici, c'est un plaisir. C'est un nom commun. Il est comment ce plaisir? Il est vif. D'accord? La dernière phrase. Toutes les filles sont géniales. Comment sont les filles? Comment sont les filles? Les filles sont géniales. Voilà. Donc, je répète. Dans la première phrase, l'adjectif c'est recouvert. Parce qu'il donne des informations sur l'oiseau. L'oiseau, il est recouvert de pétrole. La montagne est blanche de neige. Elle est comment la montagne? Elle est blanche. Donc, l'adjectif blanche donne des informations sur la montagne. Est-ce que c'est clair? Ce sont les flaques d'eau boueuses. Boueuse, c'est-à-dire qu'il y a de la boue dans cette flaque d'eau. Cette flaque dans des flaques boueuses. Tes bons résultats sont le fruit d'un travail régulier. Donc, bon, qualifie résultat, donne des informations sur les résultats. Les résultats sont bons. Comme on peut dire, les résultats sont mauvais. Les résultats sont médiocres. Les résultats sont bons, sont le fruit d'un travail régulier. Parce que vous avez un travail régulier, vous aurez des résultats bons. D'accord? Il manifeste un vif plaisir. Le plaisir est vif. Donc, vif, c'est l'adjectif. La dernière phrase, toutes les filles sont géniales. Donc, l'adjectif dans la dernière phrase, génial. Donc, recouvert, blanche, boueuse, bon, régulier, vif, génial, sont des adjectifs. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair les enfants?
Oui ou non? Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la quatrième année. C'est une leçon pour la quatrième année. Oui. Donc, je rappelle tout le monde que c'est une leçon pour la quatrième année. Donc, c'est une leçon pour la quatrième année. C'est une leçon pour la quatrième année. Comment accorder l'adjectif qualificatif en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine? Allez, on continue. Donc, je vais vous poser une question maintenant. Écoutez bien la question. Dans la phrase numéro 2, dans la phrase numéro 2, donc, dans la phrase avec quel nom? Si vous avez compris, donnez-moi le nom. Dans la phrase numéro 2, l'adjectif qualificatif blanche s'accorde avec quel nom? Allez, j'attends vos réponses. Oui, vos réponses. Boueuse. Le dernier mot dans la phrase numéro 3, c'est boueuse. Boueuse. Très bien. Donc, la montagne est blanche de neige. Donc, l'adjectif blanche, il s'accorde avec quel nom? C'est bien. C'est bien, on va faire. Oui, neige, là, très bien. Les autres? Très bien, oui. Donc, l'adjectif qualificatif blanche, il s'accorde avec la montagne. Très bien. Très bien. Donc, si je dis par exemple, je remplace la montagne avec le sommet. Si je remplace la montagne avec le sommet, comment devient la phrase? Le sommet est, est-ce que je dis blanche? Le sommet est blanche. Bien sûr que non. Le sommet est blanc. Le sommet est blanc. Regardez. Au lieu de dire la montagne, je vais dire le ça, mais est blanc. Donc, ici, la montagne est un nom féminin. J'ai employé blanche. Le sommet, c'est un nom masculin. J'emploie blanc. Donc, blanc s'accorde avec le sommet. Blanche s'accorde avec la montagne. Est-ce que c'est clair? Lorsque le genre du nom change, l'adjectif aussi change. La montagne, c'est un nom féminin, est blanche. Le sommet est blanc. Très bien. Quelle est la phrase dans laquelle il y a deux adjectifs?
Quelle est la phrase dans laquelle il y a deux adjectifs? Quelle est la phrase dans laquelle il y a deux adjectifs? Oui, très bien, oui. Le sommet. Donc, dans la quatrième phrase, il y a deux adjectifs. Tes bons résultats sont le fruit d'un travail régulier. Il y a bon et régulier. Donc, des résultats, c'est un nom masculin. Tes résultats, c'est un nom masculin. Pluriel, c'est un nom masculin, pluriel. Donc, je lui associe un adjectif bon aussi au pluriel, masculin, pluriel. Résultat, nom masculin, pluriel. Bon, nom, adjectif masculin, pluriel. Donc, comme vous voyez, si le nom est féminin, l'adjectif est féminin. Si le nom est masculin, comme travail, un travail régulier, lorsque le nom est masculin, l'adjectif est masculin. Et lorsque le nom est au pluriel comme résultat, pardon, l'accent, résultat, c'est un nom masculin pluriel, donc l'adjectif aussi est masculin pluriel. Regardez la dernière phrase. Toutes les filles, l'adjectif génial, il qualifie quel nom? L'adjectif génial, il qualifie quel nom? Il donne des informations sur quel nom? Il donne des informations sur les filles. Génial donne des informations sur les filles. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, les filles, c'est un nom féminin pluriel. C'est un nom féminin pluriel. Donc, on lui associe adjectif génial. C'est un adjectif féminin pluriel. Donc, le sommet est un nom masculin singulier. Blanc est un nom et un adjectif masculin singulier. Résultat, c'est un nom masculin pluriel. Bon, adjectif masculin pluriel. Les filles, c'est un nom féminin pluriel. Génial, c'est un adjectif féminin pluriel. Qu'est-ce que vous remarquez alors? Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la remarque qu'on peut donner après avoir vu les noms et les adjectifs? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, qu'est-ce qu'on peut tenir? Allez, qu'est-ce qu'on peut tenir? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut tenir? Donc, est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Vous pouvez prendre note si vous voulez avant que j'efface.
Est-ce que je peux effacer? Allez. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire tout d'abord que l'adjectif, je vais écrire avec la couleur noire, l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il accompagne ou bien le nom qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il accompagne. Masculin, masculin, féminin, féminin, pluriel, pluriel. Donc, on genre, en genre et en nombre. En genre et en nombre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en genre et en nombre, c'est bien. C'est bien. Très bien. C'est bon? Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il accompagne en genre et en nombre. Est-ce que vous êtes d'accord, les enfants? Vous pouviez copier si vous voulez. Très bien, c'est compris, c'est bien. C'est bien, Boutaï, c'est bien, Ayoub. Ça, Olfa, c'est bien, très bien. Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec les noms qu'il accompagne. Est-ce que je peux effacer par ici? Bon. Bon. La première chose, c'est que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il accompagne, en genre et en nombre. Maintenant, regardez. Regardez. Un long chemin ou bien un chemin. Un chemin long. Où est l'adjectif dans cette phrase? Dans la première phrase, voici l'adjectif. Et dans la deuxième phrase, voici l'adjectif. Un long chemin ou bien un chemin long. J'ai changé de la place, j'ai changé la place de l'adjectif. Est-ce que la phrase change de sens?
Donc, la phrase ne change pas de sens. Donc, qu'est-ce que je peux dire? La place de l'adjectif ne modifie pas l'accord. Donc, la deuxième chose, la place de l'adjectif ne modifie pas l'accord. Donc, soit je mets l'adjectif avant le nom, ou bien l'adjectif après le nom, il y a toujours l'accord entre l'adjectif et le nom. Donc, la place de l'adjectif ne modifie pas l'accord. Donc, toujours l'adjectif s'accorde avec le nom, soit avec le nom, soit avant le nom, soit après le nom. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, les enfants? Donc, la première chose, l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il accompagne en genre et en nom. La deuxième chose, la place de l'adjectif ne modifie pas l'accord, soit avant le nom, soit avant le nom, soit après le nom. Donc, l'accord est toujours là. Donc, la place de l'adjectif ne modifie pas l'accord. Donc, toujours l'adjectif s'accorde avec le nom. Très bien. Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc, on continue. Comment on forme le féminin? Comment on trouve le féminin d'un adjectif? Généralement, comment on trouve le féminin d'un adjectif? En général. Lorsque je dis en général, c'est-à-dire il y a des exceptions. Je parle en général. Donc, en général, nom de l'adjectif comment? En ajoutant quoi? En ajoutant e. Généralement, c'est pas toujours. Il y a des exceptions, on va les voir après. Mais généralement, pour trouver le féminin d'un adjectif, on ajoute e. Je vais donner des exemples. Comme quoi? Comme, par exemple, vers, par exemple, vers, verte, vert, verte, amusante, blond, blonde, brun, brune. Donc, en général, on forme le féminin de l'adjectif en ajoutant un E. Donc, je résume. L'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il accompagne en genre et en nom. La place de l'adjectif ne modifie pas l'accord, donc soit avant le nom, soit après le nom. En général, on forme le féminin de l'adjectif en ajoutant un E. En général, il y a des exceptions, on va les voir tout de suite. Donc, vous pouvez prendre ça.
Oui, gris-grise. C'est pas gris. Un seul S. Gris-grise. Petit-petit. C'est bien. Vert, verte. Très bien. En général, on nage petit-petite. C'est bien. Content-contente. Très bien. Ça, c'est en général. Mais il y a d'autres cas. On va les voir tout de suite. Est-ce que je peux effacer? D'accord. Donc, je vais donner d'autres exemples. Un garçon court, nageur, une fille, courageuse. Un garçon courageux, une fille courageuse. Donc, certains adjectifs, qu'est-ce que je remarque? Par exemple, aventurier, aventurière, aventurier, aventurière, menteur. Ben, un homme, par exemple, séducteur, séducteur, séductrice. Alors, ce sont des exceptions. J'ai dit en général, on ajoute e pour trouver le féminin des adjectifs. Mais il y a des exceptions comme aventurier, aventurière, séducteur, pardon, menteur, menteuse, séducteur, séductrice. Donc vous voyez, il y a toujours des exceptions. Ça, c'est pour le féminin. Donc, pour le féminin, en général, j'ajoute E, ou bien le ER devient ERE, le E devient EUSE, ou bien le E devient TRIS. Maintenant, pour le pluriel, je vais vous poser une question. Quelle est la marque du pluriel? Qui peut me répondre? Quelle est la marque du pluriel? Quelle est la marque du pluriel? D'une seule lettre. Donc, pour mettre un adjectif au pluriel, j'ajoute quoi? En général. Bon. En général. En général. Pour
trouver le pluriel, j'ajoute quoi? J'ajoute quoi? Vos réponses? J'ajoute S, c'est bien. J'ajoute S. Donc, S, c'est la marque du pluriel. Lorsque je veux mettre un adjectif au pluriel, en général, j'ajoute S. Comme je viens de dire, en général, pour trouver le féminin, j'ajoute E. Mais il y a toujours aussi des exceptions. Donc, j'ajoute S comme quoi? Comme bon, en pluriel, c'est bon. Beau, maintenant, en pluriel, c'est quoi? Vos réponses. Beau, c'est beau à la fin X. Donc, en général, j'ajoute S, mais dans certains cas, j'ajoute X. Ce n'est pas toujours, j'ajoute S. Parfois, j'ajoute X. Donc, X, c'est la marque aussi du pluriel de certains adjectifs. Ce n'est pas tous les adjectifs. En général, j'ajoute S, mais quelquefois, j'ajoute X pour mettre un adjectif au pluriel. Est-ce que c'est clair? J'espère que vous comprenez maintenant. Est-ce que vous comprenez? Oui ou non? Très bien. Bon, oui, à la fin X, c'est bien. Très bien. Allez, je vais vous donner un exercice et on va le travailler ensemble. Donc, est-ce que vous avez pris ça? Je peux effacer? Est-ce que je peux effacer les enfants? Oui, je peux effacer. Merci. Adjectif, donc je vais dessiner un petit tableau ici. Adjectif au masculin. Adjectif au féminin. Féminin. Alors, donc, adjectif masculin au masculin, adjectif au féminin. Allez. Si je vous donne difficile, difficile, génial. Génial, audacieuse, bavarde, bavarde, vieille, et enfin grand. Grand.
Allez, on va chercher soit le féminin, soit le masculin. Allez, à vous. Allez. Donc, adjectif au masculin, adjectif au féminin. On va commencer par difficile. Donc, je vais chercher le féminin. Audacieux à la fin X. Bien, oui. Audacieux. Alors, le féminin de difficile, c'est quoi? C'est difficile. Est-ce que l'écriture de l'adjectif change du masculin au féminin? Non. Donc, il y a des adjectifs qui s'écrivent en masculin ou bien en féminin de la même manière. Génial. Elle est comment au féminin? Génial au féminin. Donc, j'ajoute, en général, j'ajoute E. Génial. Donc, j'ajoute E. Audacieux. Audacieuse. Je vais chercher le masculin. Donc, c'est audacieux. Comme vous venez de dire. Très bien. Très bien. Bavarde, c'est un nom. C'est un adjectif féminin pluriel. Donc, au féminin, qu'est-ce que j'enlève? J'enlève le E du féminin. Donc, va à la fin des S. Donc, j'enlève le E. Parce que nous avons dit qu'en général, on ajoute le E au féminin. Vieille. Allez. J'attends vos réponses. Faites attention. Vieille. C'est un adjectif féminin. Cherchez le masculin. Allez. Allez, j'attends le masculin de vieille. Très bien, Hamza. Donc, c'est oui, vieille. Pour le pluriel, s'il vous plaît. Pour le pluriel, vieux. Très bien. Donc, c'est vieux à la fin, X. Et grand, enfin grand, c'est grande. À la fin, E, S. Le E du féminin et le S du pluriel. Oui, vieille à la fin, L. Lorsque le nom commence par une... Par une voie... Yel, oui. Très bien. Très bien. Grande, à la fin S. Très bien. Donc, difficile. Difficile. Donc, il ne change pas du masculin au féminin. Génial. Génial, à la fin E. Audacieux, à la fin X. Audacieuse. Bavard, au pluriel. Le S muet, on ne le prononce pas. Bavarde, vieux, vieille, grand, grande. Très bien. C'est bien. Allez, prenez ça avant que j'efface.
Allez, est-ce que je peux effacer le tableau? Les enfants, est-ce que je peux effacer le tableau? Est-ce que je peux effacer le tableau? Très bien. Allez, on va passer à l'exercice numéro 2. Une fille mince. On va changer employé, garçon. Une neige glaciale. Une neige glaciale. On va changer neige par vent. Une information vraie. Une personne célèbre. Une personne célèbre. Une leçon facile. Une leçon facile. Ici, on va changer vrai par et changer information par événement. Ici, on va changer une personne par un personnage. Ici, on va changer une leçon par exercice au pluriel. Allez. Donc, une fille mince, vous allez changer une fille par un garçon. Une neige glaciale, vous allez changer neige par vent. Une information vraie, vous allez changer information par événement. Une personne célèbre, vous allez changer une personne par un personnage. Une leçon facile, vous allez changer une leçon par exercice au pluriel. Allez, je vous donne 2 minutes pour terminer l'exercice. Donc, vous allez changer une fille par un garçon. Une neige par un vent. Une information par un événement. Une personne par un personnage. Et enfin, une leçon par des exercices. 6 à la fin S. Allez. Très bien. Très bien. Vous derrière et mine. Très bien. Oui. Imer, c'est bien. Donc, essayez d'accorder en genre et en nombre les adjectifs qualificatifs
avec les nouveaux noms. Un garçon, un vent, un événement, un personnage, des exercices. Alors, on va corriger. Donc, un garçon mince. Donc, comme vous voyez, l'adjectif, il ne change pas. Il donne une information sur le garçon. D'accord. Une neige glaciale. Une neige, c'est un nom féminin. Vous voyez le E du féminin. Donc, glacial à la fin E, parce qu'une neige, c'est un nom féminin. Un vent. Glacial. Un vent glacial. Il n'y a pas de E parce que vent est masculin. Une information. C'est un nom féminin. Vous voyez le E? C'est le E du féminin. Donc, lorsque je dis un événement vrai. J'enlève le E. Est-ce que c'est clair? Très bien. Une personne célèbre. Un personnage célèbre. C'est très bien. Leïla, c'est bien. Célèbre. Célèbre. Donc, l'adjectif ne change pas. Une leçon facile, des exercices, c'est un nom quoi? C'est un nom comment? C'est un nom masculin, pluriel, des exercices, facile, à la fin, ES. Des exercices, facile, à la fin, ES. Donc, comme vous voyez, j'ai accordé l'adjectif. En nom, en genre, ici j'ai accordé l'adjectif en genre avec vent. Ici aussi j'ai accordé l'adjectif en genre avec événement. Célèbre s'accorde aussi. Et facile, j'ai accordé l'adjectif en genre et en nombre avec le mot des exercices. Donc, pour conclure, donc, l'adjectif, il s'accorde avec le nom, en genre et en nombre. L'adjectif donne des informations supplémentaires sur le nom et il s'accorde avec ce nom qu'il qualifie en genre et en nombre. Lorsque je change de place l'adjectif, je change de place avant le nom ou après le nom, il s'accorde toujours avec le nom. Donc la place de l'adjectif ne change pas l'accord de l'adjectif. Certains adjectifs forment leur féminin en E. J'ajoute E pour former le féminin en général. Mais il y a aussi des adjectifs, quand ils se terminent par EUR, il devient EUSE. Avec EUR, il devient TRICE. Régulier, régulière. Monteur, monteuse. Comment vient de dire certains autres adjectifs, donc forment au pluriel les adjectifs. Généralement, on ajoute un S à l'adjectif pour former son pluriel. Mais il y a d'autres cas aussi où j'ajoute un X pour former le pluriel. Donc, faites attention. J'espère bien que vous avez compris la leçon avec ces exercices, et à la prochaine. Merci pour votre attention. Au revoir.